Alors parlons un peu de Libération. Libération, c'est la map que je déteste le plus avec Black Box. Ces deux maps-là, c'est tout simple, elles me sortent par les yeux. Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens statiques. C'est incroyable. Les gens profitent du fait que bah, y a beaucoup de verdure, hein, comme vous avez pu le voir. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de regarder quelques vidéos ou qui ont carrément l'occasion de jouer sur ces maps, hein, parce que comme vous le savez, ces maps-là sont, disons, les deux premières, c'est-à-dire Libération et Piazza, sont déjà disponibles depuis un long moment. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de jouer sur ces maps-là, je pense que vous serez sûrement de mon avis pour dire que franchement, cette map, elle est injouable, enfin elle est devenue injouable à cause justement de ce genre de comportement. Donc franchement, s'il y a une chose à laquelle vous devez vraiment faire attention sur cette map là, c'est tout simplement les personnes statiques qui sont justement cachées dans les buissons. Donc le conseil que je peux vous donner, et c'était le cas pour le début de la partie, donc vous avez pu voir que je suis en domination, excusez-moi, d'ailleurs je joue avec mon ami Bismode 3, je joue avec la MK14, donc viseur laser silencieux. Et comme troisième atout, j'ai décidé de mettre tireur d'élite. Pourquoi? Bah, c'est pas anodin, c'est tout simplement parce qu'avec tireur d'élite, je vous rappelle que lorsque vous visez, les pseudos apparaissent, je crois, en rouge ou en orange. En tout cas, moi, avec l'aide à la visée, c'est en orange. Donc vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'utilise l'aide à la visée. En fait, au début de ce MW3, lorsque vous mettiez l'aide à la visée, ça vous permettait de voir exactement le déplacement d'un bombardement furtif, donc adverse. Et c'était pas négligeable quand on voit à quel point les gens peuvent utiliser ce killstreak, qui est franchement, on va pas se cacher, c'est franchement abusé d'avoir ça en soutien. À la base, pour moi, un killstreak de soutien, c'est censé justement aider les partenaires, mais en aucun cas pour moi des killstreaks de soutien ne doivent justement permettre de tuer. Enfin bon, on va pas non plus relancer la polémique. Donc là vous avez vu que j'ai changé d'arme, je suis passé sur l'ACR, viseur laser silencieux. Donc maintenant l'ACR fait pas mal polémique, donc il est considéré comme une arme abusée. Faut avouer qu'elle est vraiment très 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 facile d'utilisation. C'est clair que dans la catégorie des fusils d'assaut, bah, elle est bien au-dessus de tous les autres. Elle est aussi bien précise que puissante. Et c'est vrai que c'est pour moi le fusil d'assaut le plus performant de sa catégorie. Donc moi je l'ai utilisé parce que bah, forcément en face il y avait pas mal d'ACR. Et donc moi avec ma MK14 qui tire au coup par coup, j'étais vraiment complètement largué. D'ailleurs un peu plus tard je vais tenter de passer sur la G36 parce que je sais que vous en avez vraiment marre des gameplays à l'ACR. Donc comme j'essaye de au maximum vous contenter et au maximum de vous proposer des choses différentes, j'essaie régulièrement de changer les armes que j'utilise. Donc là vous avez vu que je fais un peu ma baltringue, hein, je reste caché sous le pont tout simplement parce que bah, vous avez vu que c'était assez tendu au niveau du score et j'avais vraiment pas envie de donner des frags à l'adversaire. Donc je me dis, imaginez qu'il a le Pavlo derrière ce fameux hélico d'attaque. Je voulais pas lui donner des frags faciles. Donc malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose. Hein. Je me suis quand même fait tuer direct derrière. Donc les astuces que je peux vous donner par rapport à cette map, c'est premièrement de très régulièrement visiter ce canal. Donc là vous avez vu, hein, je pense que c'est un canal asséché. Donc visitez très régulièrement le canal mais aussi le bunker ici. Il y a énormément de passages à ce niveau là et surtout quand vous justement vous êtes dans ce bunker, quand vous devez ressortir de l'autre côté, hein, pas par ici justement, faites attention, il y a énormément de snipers qui vous attendent à la sortie, plus particulièrement au niveau des ponts. En gros, ils se mettent au niveau des ponts, ils laissent simplement dépasser le sniper et en fait, ils sont limite viseur fixe sur la sortie du bunker. Et en général, bah, vous prenez vraiment très cher. Donc là, moi aussi, je viens de prendre cher avec le Predator qui me tombe sur la tête. J'ai envie de dire comme d'habitude. Donc là, je suis passé sur la G36, mais voyant que j'avais vraiment, mais vraiment pas le dessus, que bah, j'avais été un peu en galère, c'est clair que
quand vous n'êtes pas en confiance et que vous avez pas forcément, vous n'arrivez pas forcément à faire de très très grosses parties, parce que bah voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. D'ailleurs, vous allez voir, je vous présente cette partie-là, mais cette partie-là, elle est vraiment pas bonne au niveau des frags. Vous allez voir que je vais pas faire du tout un très bon score, mais par contre, et là, Théo qui était dans la même partie que moi, Bismuth 3, peut le confirmer, elle était extrêmement disputée cette partie. Je vais pas vous en dire plus, mais vous allez voir que jusqu'au bout, la partie va être terriblement disputée. Et franchement, moi, c'est ça que je préfère dans les parties. Hein. Honnêtement, passer mon temps à faire de très très gros scores, je m'en moque totalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du suspense, c'est d'avoir une certaine, un certain mérite à gagner. Et donc, c'est vrai que quand on joue contre des personnes qui n'arrivent pas forcément à bien jouer, bah lorsque vous gagnez, vous n'êtes pas spécialement fier de vous. En tout cas, vous allez voir que cette partie-là, jusqu'à la fin, va être terriblement disputée. Et donc, c'est ça qui amène un certain intérêt à ce fameux gameplay. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de l'atout, de l'intérêt d'utiliser l'atout tireur d'élite, là, c'est clair que sur ma classe ACR, je ne l'utilise pas. Mais quand je joue sur Libération, la plupart du temps, j'utilise la MK14, tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de snipers à la base. Et donc, d'avoir une arme qui tire comme ça au coup par coup, forcément, ça vous donne énormément de précision. Et donc, vous avez la possibilité de, je vais pas dire de jouer jeu égal avec les snipers, mais ça vous permet de rivaliser un petit peu face à eux si vous avez la possibilité d'ajuster très très vite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez vu que les adversaires en général aiment beaucoup squatter dans le canal asséché là. Et donc je vous conseille moi franchement de très régulièrement faire des passages justement dans ce canal. Parce que il y a toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours beaucoup beaucoup de passages. Il y a aussi une chose que vous devez faire attention, surtout quand vous jouez en domination. Voilà, c'est à ce niveau là. Étant donné que les adversaires peuvent se servir de la balustrade, je peux appeler ça une balustrade, en fait ils se mettent juste derrière et du coup il y a juste la tête qui dépasse. Et pour vous, d'essayer de les ajuster, c'est très compliqué. Donc faites attention quand vous voulez capturer, faites très attention de bien vérifier qu'il n'y a aucun adversaire qui se situe justement derrière cette balustrade. Parce que c'est vrai que c'est un endroit idéal pour protéger C. Donc là j'ai un partenaire qui est en train de protéger, donc je vais aller l'aider de manière à pouvoir avoir le prédateur. Et là vous avez vu que nous étions en train de perdre, mais d'une manière assez conséquente avec Théo. Et donc c'est vrai que j'ai été très sécuritaire, parce que j'étais en train de lui dire: Théo, il faut absolument que j'ai ma série, parce que sinon je pense que ça va être grillé. En plus, bah, vous le savez très bien, je n'ai pas l'habitude, c'est même pas, des fois j'ai vraiment envie de jouer l'objectif, mais j'ai l'impression que c'est ça, je sais pas, j'arrive pas à intégrer qu'il faut que j'aille sur les points et tout. Je suis toujours trop attiré par les frags, et c'est là que quelque part on peut se rendre compte que même le rôle d'un slayer est très important dans une partie, même s'il ne prend pas beaucoup d'objectifs. Vous allez voir que mon rôle va être déterminant, vraiment. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut faire attention à sur cette map-là. Donc, au-delà du fait que les gens ont tendance à être très statiques, il faut aussi faire très 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 attention au soutien aérien. Effectivement, vous avez vu tout à l'heure que j'ai été particulièrement gêné par un simple hélico, hein, vu que moi je ne joue jamais avec un détectable. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me fasse une classe avec un détectable. Je ne joue jamais avec un détectable. Et donc, dès qu'il y a du soutien aérien, vous êtes réellement en difficulté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous jouez sur cette map-là. C'est que soit vous êtes équipé d'un Stinger sur vos classes, sur une de vos classes, soit vous avez, faut que vous soyez en général pas loin d'un bâtiment pour vous mettre à l'abri. Parce que sinon, c'est vraiment très 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 compliqué de vous en sortir. Parce que cette map là, est, comme vous vous en doutez, on est dans un parc. Donc forcément un parc, il n'y a pas énormément de bâtiments. Et donc lorsque vous avez un Reaper, un Pavlo ou n'importe quel autre killstreak d'assaut, je peux vous garantir que vous faites un réel carnage. Donc là vous allez pouvoir vous en rendre compte très rapidement que mon Reaper et forcément mon Pavlo qui va suivre vont énormément bien travailler. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce qui va être réellement déterminant dans la partie. Donc là, vous avez vu qu'avant que j'envoie mon Reaper, nous étions en train de perdre. Hein. Là, d'ailleurs, nous avons toujours uniquement un point de sécurisé. Et donc là, je vais envoyer mon Pavlo. Et vous allez voir que du coup, je pense que ça va mettre en confiance
tous mes partenaires et je pense que ça va aussi leur permettre de sécuriser plus facilement. C'est vrai que lorsque vous entendez qu'il y a du soutien aérien ami, voilà, ami, on va dire ami, franchement, c'est vrai que ça peut aider à prendre les objectifs et ça peut aussi motiver à le faire. Étant donné que moi je joue souvent avec des killstreaks d'assaut, je me dis que si je prends le risque de sécuriser une position alors que je suis peut-être à 1 ou 2 d'avoir mon killstreak, c'est vrai que ça me donne pas spécialement envie et limite c'est un peu dangereux et pas forcément très productif. Alors que là, le fait de parfois malheureusement passer à côté d'un objectif sans forcément le prendre, comme là dans cette partie, ça m'a permis de débloquer mon Pavlo, de débloquer mon Reaper, qui vont, allez, je peux vous le dire maintenant, nous permettre de gagner la partie. Donc là, vous avez vu que les adversaires sont vraiment pas loin de gagner, hein. Ils avaient vraiment peu de points encore à faire. Mais vous allez voir, mon Pavlo les fait vraiment très chier. Ça les bloque, je sais pas pourquoi ils n'ont pas tenté de le détruire. Ne serait-ce qu'avec leurs armes, hein, parce que, avec un fusil d'assaut, il vous faut énormément de balles pour tuer un Pavlo, mais bon, s'ils étaient à 5-6 pour le descendre, ils n'auraient sûrement fait qu'une bouchée, mais non, ils n'ont pas eu l'envie de le descendre. Donc là, je sécurise une position, d'ailleurs c'était vraiment très chaud, il fallait mieux pas que les adversaires réussissent à sécuriser cette position-là. Donc là, regardez, vous allez voir au loin, il y a Théo qui est en train de s'occuper, de protéger A. Non, il y était en fait, je suis désolé, il s'était fait descendre justement, c'est pour ça que j'étais parti faire un contrôle. Et donc moi je m'occupais de B, et c'est à ce moment là où Théo me dit vas-y c'est bon je retourne sur A, occupe-toi de B. Et donc moi c'est ce que j'ai fait afin de gagner, voilà vous avez vu il est en face, afin de gagner cette partie. Donc voilà, la partie va se terminer, j'espère que les quelques petites astuces que j'ai pu vous donner sur cette map vont vous intéresser, vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise sur cette map là. Mais sinon faites comme moi, hein, quand cette map est dans l'accueil, votez-la pour passer, parce que c'est très 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 rare que vous prendrez du plaisir à jouer sur cette map, parce qu'il y a énormément de joueurs statiques. Et je peux vous dire que cette partie là, ça a été vraiment ça a vraiment pas été le cas, mais c'est vraiment très rare que justement les joueurs ont tendance à être mobiles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je suis satisfait. Vous avez la possibilité maintenant de cliquer sur une autre map, hein, si vous voulez regarder une autre map. Et n'hésitez pas, cliquez directement sur l'une des 6 maps. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de cliquer dessus et d'avoir la possibilité de cliquer sur la notation, en particulier ceux qui utilisent des tablettes ou des mobiles, rendez-vous dans la description, je vous mets à chaque fois les maps et comme ça, ça vous facilite vous aussi les choses. Allez, salut à tous!